Comment vous allez les gars? J'espère que vous allez bien, bien, bien. En fait, il y a une histoire en fait qui me fatigue. Il y a un de mes gars qui m'a appelé en fait. Il est aux États-Unis, vous voyez un peu. Et le gars, il a rencontré une go. Il a rencontré une go. La go, ils ont été mis en contact par une connaissance, vous voyez un peu. Et donc lui, il a commencé à parler à la go, tout ça. Il a vu que la go l'intéressait, elle lui plaisait, tout ça. Elle aussi, elle renvoyait la même énergie et tout. Vous voyez un peu? Voilà, donc il s'est dit, il n'y a pas de problème et tout. Mais en même temps, la go n'est pas dans le même état que lui. Vous voyez un peu? La go n'est pas dans le même état que lui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La go dit non, elle ne travaille pas actuellement. Vous voyez un peu? Elle dit qu'elle ne travaille pas actuellement. Qu'elle vient de perdre son travail et tout, que genre elle cherchait à déménager. Donc comme il a vu que la situation allait bien chez lui et tout, chez elle aussi ça allait, il s'entendait bien et tout. Donc il lui a dit, y a pas de problème parce que mon gars, il est à l'aise financièrement. Vous voyez un peu, voilà, il est tranquille, il peut prendre soin de lui, il peut prendre soin d'une go et tout. Donc il a dit, y a pas de problème, vas-y, viens dans mon état. Donc la go est venue dans son état. Ils ont commencé à vivre ensemble, ils se côtoyaient, commençaient à se parler et tout, tout allait bien en fait. 1 mois, 2 mois. Mais la go en fait, elle est enceinte. C'est quoi ça? Elle est enceinte en fait. Elle est enceinte de qui? Elle est enceinte de son ancien gars avec qui elle était dans l'autre état. Vois un peu, elle est enceinte de lui, donc ils ont bras. En même temps, elle a rencontré mon mogo. C'est ce qu'elle nous a dit. Tu vois un peu, voilà. Ils ont bras en même temps, elle a rencontré mon mogo. Donc lui, il a dit, y a pas de problème. Il a vu que la go est tranquille et tout, donc il dit, y a pas de problème. Vu que ton gars là, il te maltraitait, vu que tu l'as laissé parce qu'il te maltraitait, c'est parce que c'est ce qu'elle nous disait. Donc elle lui a demandé, est-ce que tu peux sortir avec une femme qui a une go qui a un enfant? Tu vois un peu? Donc le gars a dit, ça dépend en fait. Si la go et moi tout va bien, ça dépend et tout. Donc là maintenant, elle lui sort que elle est enceinte. Elle est enceinte de qui en fait? Je Elle est sais pas. enceinte de son ex qui la maltraitait en fait. Elle est enceinte de son ex qui la maltraitait. Qui, je sais pas quoi, qui la frappait, qui faisait tant, voilà, c'est ce qu'elle nous a raconté, voilà. Donc le gars a dit, il n'y a pas de problème, vu qu'en fait, il te maltraitait, vu que tu as mis fin à la relation et tout, vu que tu veux plus avoir aucun lien avec le gars, même si tu as un enfant, il sait qu'elle est enceinte, mais malgré ça, ils se sont laissés. Elle a dit qu'elle était fatiguée. Le gars aussi a dit qu'il n'y a pas de problème, vu que lui-même ne voulait pas s'en occuper et tout. Il a dit qu'il n'y a pas de problème aussi. Donc, vu que tu es avec moi, il n'y a pas de problème. Voilà, je sens qu'il y a une sorte de compassion aussi dedans, mêlée d'amour. Donc, le gars, il a pris la go, commençait à s'occuper d'elle. Commençait à s'occuper d'elle. Elle était à 2 mois, 1 mois et demi, même peut-être 2 mois. Il a commencé à s'occuper d'elle, s'occuper d'elle, s'occuper d'elle, jusqu'à ce que la go accouche en fait. Voilà. Jusqu'à ce que la go accouche. Donc ils sont dans leur vie, ils ont leur enfant. C'est pas son enfant, mais ils ont leur enfant en fait. Voilà. L'enfant est né, tout ça. Il commence à s'attacher à la go, lui pour lui, même si c'est pas son enfant, il commence à. C'est sa petite famille, tout ça. Peut-être qu'après. La go va lui donner un autre enfant, tu vois un peu, non? Voilà. Peut-être après, la go va lui donner un autre enfant. Lui, il voulait la caler et tout. Tu vois un peu? Voilà. Et le père de l'enfant maintenant va ressurgir dans la photo. Le père de l'enfant maintenant ressurgit dans la photo. Comment ça? Lui, il veut voir son enfant. Donc, il n'y a pas de problème. Mon gars là, lui a dit, ah. Le gars là, l'enfant était là, il n'a pas voulu s'occuper de l'enfant depuis tu es enceinte jusqu'à l'enfant est né, mais je suis occupé de lui. Maintenant, lui veut voir son enfant, que veut pas.
Lago a managé le gars jusqu'à... Il a laissé... Elle est partie voir l'enfant dans l'autre état. Il paye le billet d'avion même. Elle s'en va voir l'enfant. Elle s'en va voir le papa. Elle revient. Lago commence à être bizarre avec mon gars. Tu comprends un peu? Elle commence à être bizarre avec mon gars. Il voit qu'il y a les manques de, il y a les manques de respect. Il y a les paroles déplacées. Soudainement, Lago même, elle veut même plus avoir de relations sexuelles avec mon gars, de rapport avec mon gars et tout. Donc le gars, il est tranquille, il dit à fond, et peut-être que c'est parce que tu es dans une période émotionnelle, peut-être que tu as vu le gars, les anciens souvenirs sont revenus et tout, donc ça te fatigue, il n'y a pas de problème, je suis chill. Ja, la go là. Elle voit le gars en cachette. Ils viennent dans l'état maintenant. Eux, ils se voient. Eux ont recommencé à se voir. Ils ont recommencé à coucher avec ensemble. Le gars dont elle se plaignait. Le gars qui la frappait. Le gars qui n'a pas reconnu son enfant. Elle se plaint. Elle se plaignait de lui chez mon gars. Tu comprends un peu? Donc, mon gars là, il a vu ça. Elle est venue lui dire en fait que vraiment, les gars là n'ont pas de sentiments. Elle est venue lui dire que vraiment, elle réalise que vraiment, genre, elle aime toujours le gars. Elle aime toujours le gars. Que genre, on ne peut pas le priver de son enfant. Qu'il doit en fait avoir le droit sur son enfant et tout, qu'il doit voir son enfant et tout. Vous voyez un peu? Donc le gars a dit, il n'y a pas de problème, c'est son enfant. Nakala, faut, il peut voir son enfant et tout. Elle dit, elle-même, elle veut répartir là-bas aussi, qu'elle l'aime aussi. Donc mon mogol là, lui est dépassé. Lui est dépassé. Il dit, c'est à ce moment-là, en fait, qu'il est tombé sur mes vidéos, qu'il a commencé à regarder mes vidéos, Et il comprend maintenant pourquoi je parle de cette affaire d'empreinte. Voilà. Parce que, comme je vous disais, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que quoi? Le gars qui est le père de l'enfant a une forte empreinte sur la fille. Émotionnelle, sûrement. Vu qu'il s'en fout, il a fait passer par plusieurs émotions et sexuelles, vu qu'ils ont un enfant ensemble. Donc, il a beaucoup d'emprise sur Lago. Tu vas voir que Lago, en fait, elle cherchait à, comment on appelle ça, à oublier le gars. Donc, elle utilise, en fait, mon gars, comme tampon émotionnel. Pour oublier ses émotions. Pour oublier, en fait, le gars. Mais elle se rend compte qu'elle ne peut pas, à cause de ça. Dès que le gars ressurgit en même temps, elle commence à ressasser les choses. Elle commence à revoir en fait ce qui est là. Tu comprends un peu? Voilà. C'est pas que il faut pas en fait avoir de relation avec les gars qui ont déjà des enfants et tout. Mais le truc c'est que ça dépend des circonstances. Sinon tu peux avoir une relation avec une gars qui a déjà des enfants. Mais ça dépend de la circonstance. Faut que tu connaisses son passé. Faut que la go soit vraiment sincère. Mais ça encore là, c'est un mystère. Tu peux pas savoir si la go est sincère. Voilà, c'est ça le problème. Donc c'est un peu ça. Pour ceux qui veulent avoir des relations avec des go qui ont déjà en fait des enfants et tout, y a pas de problème. Y a pas de problème. Mais faut savoir que c'est risqué. Et comme moi je vois ça, je vois plus en la go a déjà sa famille en fait. C'est toi l'intrus. Comme je lui disais là, en vérité, quand on regarde bien l'histoire, c'est toi l'intrus en fait. Sinon, le gars il a sa famille, il a sa go, il a son enfant, peu importe comment il la traite. C'est sa famille. Elle, elle est d'accord avec ça. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, faites attention quand vous vous dealez avec des go qui ont déjà des enfants. Faites
faites attention. On n'a pas dit de ne pas dealer avec elle, mais faites beaucoup attention à elle, en fait. Voilà. Parce que elles sont vraiment, vraiment souvent à la merci, en fait, du père de l'enfant ou quoi que ce soit. Et puis, comme je vous dis là, faut que vous compreniez que la femme a été faite pour un seul homme. Ça, je suis pas venu discuter avec quelqu'un. C'est un fait. La femme a été faite pour un seul homme. Il y a plein de gars qui vont venir regarder la vidéo. Elles vont dire, que ça fait pitié. Mais là, les gars, si vous étiez dans le même cas, il y a plein de gars. Si mon gars agissait de la même sorte là, vous allez lui faire pareil. Claire. Voilà. Donc, il y a feuille. Il y a feuille. On est ensemble, les gars. Faites attention quand vous dealez avec les gars qui ont déjà des enfants, en fait. Voilà. Il y a d'autres qui sont bien. Peut-être que le gars lui a fait des choses et il s'est mal comporté. Elle a décidé de partir ou ils se sont laissés. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Tu peux quand même guérir quelqu'un. Voilà. Ça existe. On est humain. Tu peux quand même guérir quelqu'un, aider quelqu'un à guérir. La personne va tomber amoureuse de toi et puis tout va bien se passer. Mais fais attention. C'est tout ce que je veux vous dire, en fait, les gars. Donc, on est ensemble, les gars. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Dehors, là-bas, là, il y a trop de choses qui se passent. Cette histoire, ça me fatigue même moi-même. On est ensemble, les gars. On est ensemble. Tombe, balou.